Amis viewers, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur le jeu Game of Thrones dans le mode le jeu Mountain Blade avec le mode Game of Thrones. Alors, petit rappel. Quoi? Ah oui, je suis mercenaire. Petit rappel, là je suis dans la merde. Paludier, paludier, ok. Donc je vais péter la gueule aux îles de fer, c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est une certitude. Le gros problème, c'est que Tonton Krug a pu à manger. Voilà. Voilà. Là, le moral des troupes est en train de se casser la gueule. Tu vas où? Mais tu vas où? Oh là là, il n'y a aucun village, quoi. Il n'y a que Cap Kraken, mais Cap Kraken, ils ont rien à me donner à manger. Donc je suis dans une merde, les copains. Faut que j'aille mode Kaylin, mais regardez, il fait tout le tour de la map. Oh là 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 là. Salvemer, c'est quoi? C'est une ville. On va aller aux jumeaux, allez. Non, je peux pas aller là-bas, ils vont me sauter sur la gueule. Tiens, Seth Russ. Ouais, je vais me faire défoncer. C'est quoi là-bas? C'est les copains? Okay. J'espère que ça va aller au niveau du moral, là, faut que ça remonte. Recruter des paysans. Des recrues du Nord ici? Ouais. Non, les prunes, c'est bon. Tu m'as déjà arnaqué deux fois avec ça, c'est bon quoi. Pourquoi j'ai des recrues du Nord ici? C'était au Nord D'accord, d'accord. Vieille pierre, ok. Ça, c'est des copains. Ok. Donc, on va se rentrer vers la maison mère. Apparemment, il y a un. Comment ça s'appelle? Il y a un banquet. Donc, on va essayer de profiter du banquet. Qui dit banquet. Oh merde. John Humber. Qui dit banquet dit tournoi. Donc, nous allons essayer de nous. Faut que je passe les jumeaux. Ah, quand tu dois passer les jumeaux, tu souffles. Ouais, donc. Attends, c'est vachement intéressant ça en fait. Si j'arrive à conquérir les jumeaux, mettre une putain de garnison ici, je suis tranquille quoi. Ah, pas tranquille, mais. Ça m'intéresse. Vos soldats n'ont rien à manger. Non, mais tu te fous de ma gueule. Ils bouffent tous les combien quoi. Je suis pas trop d'accord avec eux, c'est qu'est-ce que tu me dis? Allez, recruter des paysans, bien sûr. Acheter des vivres. De la saucisse. Ça va, ça coûte vraiment pas cher, 11 deniers. Tertrebourg, ça doit être une ville, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Sac de prunes de. Alors, mes quêtes, le bâtard. Ouais, d'accord. Ça, c'est que des quêtes où il faut une grosse armée. Il y a une quête où il faut que je puisse tuer une armée de 150 hommes. Et l'autre, il faut que j'ai une armée de 100 hommes. Alors, ouais. Alors, tout d'abord. Acheter de la nourriture automatiquement. Tu vois? Alors, revenir, place du marché, marchand de biens. Ne m'y ai que des prunes, quoi, tu te fous de. Il se fout de ma gueule, sans déconner. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec tes planches, quoi, sans déconner. Vous faire foutre. Marchand d'armes, d'armure. Il a pas de bouffe quoi. Allez, on va aller se faire un tournoi, au moins. Ça me détendre. Ça détend le tournoi, ça fait du bien à son petit cœur, un tournoi. Oh non, un arc.
Ça va. Oui. Merde. Vous avez touché un allié. Oups. Tire à la tête. Je vais devenir un vrai sniper, vous allez voir. Pariez sur vous-même, bien évidemment. Oh, regardez, il y a plein de spectateurs, c'est trop mignon. Oui, tir à la tête, 3 points de dégâts. T'es heureux de faire un tir à la tête et là, 3 points de dégâts. Oh là là, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, les copains, c'est sûr. C'est bon, j'ai réussi à en sauver un, c'est cool. Alors là, ils sont à 2 contre 2, c'est cool aussi. Oh. Ah nom de Dieu. Nom de Dieu. Ça marche, roule. Allez, ils se battent au tour suivant. Allez, je suis chaud patate là. Ils sont où? Et voilà! Feu d'artifice! Alors, pareil sur vous-même, sans dragon, continuez, c'est pas trop suivant. Ouais, blablabla. Alors, oui. D'un côté, va tirer à l'arc en courant, quoi. Ça doit être la finale là, non? Ah non. Ah il se trafe, hein, le petit coquin. Ah, ça, t'aurais mieux fait de rester à distance en fait. Hein. Bah oui. Ouais. Clarence Snow. Il y a beaucoup de snow quand même. Hein. Je sais pas si, je sais pas ce que vous en pensez. Jusque-là. Je t'ai vu. Oh. Putain. 14 points de dégâts. 3. Allez, 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 allez. Allez, une dernière. Tire à la tête, 0 points de dégâts. Vous le voyez dans le log là? C'est un Lucos l'aigle. Waouh, ça pète! Alors, renommée de 14. Une belle épée forgée par un maître forgeron. Ça claque quoi. Alors, est-ce qu'il y a une petite Stark? Il n'y a pas de. Allez! T'es sérieux? Allez, j'ai claqué mon épée forgée en château. Il y a des problèmes de traduction quand même, des fois. Ouais, elle est belle, elle est belle, elle est belle. 32-34, moi j'avais une 29-34, donc c'est très 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 bien, c'est super. D'accord, on va aller recruter un petit paru. Je me suis permis hein, de recruter des dadas. Putain, il n'y a que des prunes, quoi, vous foutez de ma gueule. Eh, ils ont un problème de prunes dans ce jeu-là, non?
Ah ouais, vous avez faim, évidemment, j'ai plus de prunes. Ils vendent que des prunes. Les prunes, ça nourrit pas, donc. Ouais, toi t'as rien, c'est normal. Tout à fait normal. C'est ironique hein, quand je dis que c'est normal. De la saucisse, super. On a un rouleau de saucisse pour 70 hommes. Ouais, super. Ça marche. Traquer Myria la grosse. Ça, c'est de la quête. Oh, c'est trop loin là, tu m'emmènes où? Mais il est fou lui. Attends, faut que je traque Myra la grosse là-bas. Non mais oh. Le mec il croit que j'ai que ça à foutre. Genre je suis le chevalier servant, tu sais. Donne à bouffer, tout. Putain, mais ça marche pas ça. Ouais, mais bœuf, putain, mais il n'y a qu'un bout de bœuf, quoi. Mais on fait comment, nous? J'adore ce mode, mais là, tout de suite, petit mode, tu me casses les couilles. Je te le dis. Je préfère être franc avec toi. Ça va pas le faire. Ouais, franchement, ça va pas le faire, quoi. Je vous le dis. Parce que là, si tout ce qu'il me vend, c'est du. Alors, les voyous locaux sont hors de contrôle dans cette ville. Bah écoute, je vais m'en occuper, mon gars. Nettoyer la ville. C'est une mission pour canard. Monseigneur, monseigneur! Bah dis donc. Ça, c'était la grosse bagarre, hein. Oh là là! On a fait la grosse bagarre, dis donc. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Oh. Ok. XP les relations avec Blancport se sont améliorées, ça c'est bien. Le peuple est tolérant à votre égard, plus 10. Plus 10 de réputation, c'est cool. Allez, bonjour Kruger, vous travaillez pour moi. Ok, super. Une fille qui a été enlevée, il faut ramener une rançon, machin, tout ça. Alors, payer une rançon, un machin, ramener la fille de Blancport près de Mallowcliff. Non mais vous êtes décidé à me faire faire des kilomètres, mon. Non bah attends, je. T'es vraiment un con. Sans déconner. Le mec il m'envoie faire une quête à Perpète déjà et en plein territoire ennemi. Mais il le vit bien. Ah, fromage, poisson, poisson. Pot de beurre, allez. 434 deniers, bah putain, vous vous emmerdez pas. Hein. Vous avez perdu 20 points de compétence en armes à une main. Putain de jeu de merde. Bonjour. Eh oh! Ouais, 68 points de dégâts avec ma nouvelle épée. T'as pas l'air de savoir très bien te battre, toi, en fait. Ouais, donc j'étais là pour acheter à manger, moi. Acheter des livres. C'est quoi ça? Caisse de charbon de fabrication soignée? Mais dis donc, c'est mignon. C'est plutôt mignon.
Qu'est-ce que t'as? Un voyageur vous indique où trouver un groupe de comédiens itinérants arrivés récemment. Vous attaquez la petite caravane, tu... Non, bon, non. Disperser les comédiens, bah non. Pourquoi tu veux que je les tue? Hein? Bah. Je les ai payés pour qu'ils recrudescèrent, peut voir un peu. J'ai payé les comédiens pour qu'ils disent que je suis un bon gars, tu vois. Donc ça m'a mis de l'honneur, de la renommée, tout ça. Recrudescèrent, oui, c'est pas une gonzesse en fait. Recrue du Nord, super. C'est super. Allez hop. Toi tu montes. Allez, allez, allez. Arbalétrier mercenaire, on s'en fout en fait. À la limite, je vais le virer quoi. Cavalier, lancier, Martin Snow, eux, ils restent là. Enfin non, eux, ils peuvent monter tout en haut. Mais ça, c'est vraiment pour les avoir avec moi quoi. Hop. Martin Snow, ok, donc comme ça, j'ai mes trois mercenaires, enfin mes trois copains là. Ensuite, archer, vétéran. Putain. Tout ce qui est mercenaire, on le monte. Après, s'il crève, il crève, quoi, vous voyez. Hallebardier, mercenaire d'élite. Ça doit être terrible, ça. Ah, bah, j'avais déjà regardé. C'est. Ouais, c'est très fort, c'est très très fort. Archer, vétéran, mercenaire. Recrudesseur, vas-y, monte. Ça, je garde. Putain, j'ai pas beaucoup de nord, en fait. Si? Putain, je me rends pas bien compte. Ok, mon personnage, il va monter le charisme. Intelligence. Intelligence, parce que, hop, mes viewers m'ont dit, monte ta persuasion, putain, bordel de merde! Oh bon. Oh, moi, je suis pas comme ça, moi, donc je vais monter ma... Je sais plus où je dois aller. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Fogfield. Ah oui, c'est là. J'en reviens pas qu'il me fasse faire autant de kilomètres. Oui, bah tu donnes les châteaux à tes potes, c'est normal. Moi je suis même pas dans ton royaume, tu vas pas me donner un château. À la limite, je me demande même pourquoi tu me casses les couilles à me le dire, quoi. Ça m'intéresse pas quelque part de savoir à qui ils donnent les trucs. Tout ce que je sais, c'est que moi je les aurais pas, donc. Ok. Bonjour. Oh, on va se joindre aux copains. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit siège ici? Oui. Ah non, ils font pas de siège, ils avancent. Faut siéger les jumeaux, bande de cons. Vous faites pas ça? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais. Bah, c'est comme si c'était fait. On va essayer, mais. De la dire, c'est comme si c'était fait, tu t'es peut-être un peu lâché, Krogna. Non? C'est quoi ça? Ok. Mais vous allez où? Je suis pas sûr qu'ils savent en fait. Qu'ils sachent. Ouais, qu'ils sachent. Qu'ils savent. Oh là 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 là. D'accord. Bon, bah on se touche alors. Ce qu'on a qu'à faire, c'est du tourisme, hein. Ah. Bah, chopez-le! Allez, je vous laisse là, vous me cassez les couilles. Fogfield, c'est ici.
Tiens, par contre, il y a des terres des îles de fer ici. Ouais. Fais attention qu'il n'y ait pas un seigneur qui me tombe dans les pattes. Attends, attends, attends. Va voir, ça se trouve, ils vont faire un siège. Ah, voilà! Là, il me paye mon armée, ces cons-là. Ça, c'est bien. Acheter des vivres. Des prunes rabais, bien sûr. C'est assiégé, là. Hop, hop, hop. Ouais, c'est assiégé. Donc, on attend que toutes les troupes fondent sur le truc. C'est quoi, ça? Ça se cartonne, ici? Ouais. Ok, approchez le camp, participez au prochain assaut. Bim! Commandant actuel, Krugar. Oh yeah! Allez! Headshot, 18 points de dégâts. Non mais je visais celui de gauche en fait. Voilà. Eh ben, ça devient bien. Bah, il faut vraiment que mon skill arc monte, hein. Vous allez voir, plus le skill va monter, plus le viseur va être petit. Allez, au maximum. Là, je suis au max, quoi. Mais plus tard, le truc de dispersion, là, le viseur, il va être de plus en plus petit. Plus vous allez avoir de skill en arc, plus c'est petit. Et plus c'est petit, plus tu vises précisément. Parce qu'en fait, là, le tir, quand vous tirez, ça met un point aléatoire dans le viseur, et la flèche va vers ce point. Ce qui fait que ça te donne des déviations dégueulasses. Ce serait bien que je me trouve une belle armure aussi. Là, je fais un peu pitié quand même. Tout d'abord, on est 600 maintenant. Olé! De carnage, putain. J'essaie de suivre le log pour voir s'il n'y a pas des nouvelles troupes qui sont rentrées. Mais je suis en train de penser, il va peut-être falloir que je farme les tournois histoire de gratter une armure lourde. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une armure en tournoi? Là, j'ai eu vraiment une putain d'épée. Franchement, elle dépote quoi. Si j'avais la même armure que j'ai l'épée, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la même qualité, ça deviendrait particulièrement surpuissant là-dedans. Il y a des renforts, les gars, faites gaffe.
J'essaie de me barrer depuis tout à l'heure en fait. Ça se voit pas bien, hein, mais je recule depuis tout à l'heure. Voilà. Il y a des flèches au sol, voilà. Ok, j'ai demandé à mes archers de venir ici et à tout ce qui est... Hop là! Tout le reste de charger quoi. Je suis midlife. Midlife, ça va, ça va, ça va, on gère, on gère. T'inquiète. T'inquiète pas, mi-viewer, tonton Krug il est là. Ok, boum, 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 boum. J'ai cassé ma gueule. Allez. Ça c'est la merde, je veux encore des renforts. Il y avait combien de garnison dans ce patelin de bouseux là? Ça c'est le genre de truc que tu pourrais regarder avant de commencer le combat, Krug. Tu vois, c'est pas une fois que t'es dedans que tu te dis ah bah merde, ils étaient 8 fois plus nombreux, j'aurais peut-être pas dû. Je sais pas si j'ai la bonne épée là. Merde, j'ai cassé ma gueule. Putain, y'a personne qui peut regarder derrière moi pour me dire s'il y a des renforts qui arrivent. Là, à mon avis, c'était la dernière vague de... La dernière vague de renfort, c'est la méthode Kwe, hein. C'est, tu le dis pour t'en persuader. Persuader. Eh merde, les blocs. C'était pas du tout la dernière vague de... d'hommes. Bon, les îles de fer, tu me saoules, là. Les fernés, pardon. Donne-moi un bouclier. Ah, un bouclier. Donne un bouclier, putain! Tu viens d'où, toi? Oh non, il y a encore des renforts qui arrivent, quoi. Non, t'es sérieux. Donne-moi un bouclier, sérieux. Allez, donne le bouclier à Tonton Krug. Tu donnes, merci. Ça va, ça se passe bien, c'est juste que moi j'ai plus que... j'ai plus que 3 points de vie et demi. Ils sont beaucoup là, Krug, tu fais quoi là? Ouais, ils sont un peu beaucoup en fait. Sur quoi vous tapez? Je tape complètement au pif, hein, je vois pas sur quoi ils sont là. C'est quoi la blague là? On est en train de se faire défoncer par les archers avec de vos conneries. Il est coincé sous l'escalier, c'est un bug. Putain, regardez-moi ça. On est en train de se faire avoir à cause d'un bug. Ah, c'est pas un bug, mais c'est une débilité profonde, quoi. Genre, mes hommes, ils sont en train de taper dans l'escalier.
Voilà, là ça débloque un peu la situation. Par contre, moi, faut vraiment plus que je bouge. Des renforts sont arrivés. Des renforts à qui? À moi? Ça, si c'est des renforts à moi, c'est cool. Concentrage, concentrage. Putain. Voilà, là, là, là. Je suis caché. Tu me vois pas, je suis caché. C'est bon, je dirais que c'est bon. Ok, il n'y a plus que les archers à défoncer, quoi. Donc il y a quelques archers par-ci, par-là, quoi. Là, sur le bateau, il y en a 3-4. Il y en a une dizaine sur la tour dans le château. Et puis après, c'est bon. Il n'y en a pas là-haut? Ils ont peut-être déjà été tués, hein, c'est pas impossible. Je vais finir la mission avec 3% de points de vie, c'est énorme. C'est énorme. Allez. Faut bien laisser le bouclier en l'air. Là, je te dis, il y a un caillou qui tombe du toit, là, une tuile, c'est un coup de vent, une tuile qui tombe, boum, je suis mort. Ça, c'est un GG, c'est un cri de guerre du GG, ça. Ah, ce serait sympa de me laisser looter du matos. Faudrait juste une armure, les copains. J'ai tué 41 mecs. J'ai envie de te dire... D'accord, bah, me laisse rien looter, espèce d'enfoiré. Alors, place du marché, marchand de biens, il n'y a que des prunes. Non. Marchand d'armure, comment ça coûterait une armure un peu costaud? D'accord. Ouais, le truc le plus puissant qu'il a, c'est ça, ça coûte 16 000 balles. Mais va te faire foutre. Non mais... C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? On a un piquier du Nord. Est-ce que je peux te recruter? Je suis pas sûr. Ouais. Okay. Alors, Grazmak Mosenko. Je vous salue et bienvenue. Je suis Maître Grazmak Mosenko de la grande ville d'Astapor, la plus favorisée de la Grande Harpie, le joyau de l'Est et héritier de l'Empire Kissari. Bah, putain. Alors, Astapor se trouve dans la baie de Slavagie, d'accord. Formés dès l'enfance, ils sont les plus féroces vaillants. Personne ne pourrait résister face à eux, vu le barbare que vous êtes. J'imagine que vous n'êtes pas familier avec l'histoire des 3000 de corps. Kal Temo et son Kalassar a été battu par 3000 immaculés. Seulement 400 ont survécu à cette bataille. Mais Kal Temo était mort. Il ne restait que ses fils et 12 000 de ses guerriers. Je vois, vous vendez des esclaves. S'ils sont vraiment si forts que ça, pourquoi ne font-ils pas partie d'une armée de ce monde? Oh putain. Habituellement, nous vendons les immaculés en groupe, afin de ne pas les séparer. Ils ont tendance à devenir gras et bouffis. Les garder ensemble garantit la conservation de leur discipline et leur courage au combat. Cependant, j'ai entendu des nouvelles inquiétantes venues de l'Est.
Parlons de dragons et de pierres brûlées. Souvenez-vous, Soldat Rénal, je cherche donc à m'installer dans cette région. Ainsi, je serai en mesure de vendre mes immaculés par petits groupes. J'aimerais que vous preniez ma place pour instruire des jeunes recrues sur le chemin de la guerre, c'est-à-dire. Alors, je veux acheter quelques immaculés, dis-moi. J'ai 10 immaculés disponibles à la location. Et ça coûte combien? Ça m'a coûté 8000 balles. Alors, abandonner ma liberté signifie que je dois avaler de taverne en taverne et me restreindre à former seulement les jeunes hommes courageux de cette terre. Dans ce cas, vous devrez me fournir tous les équipements, les terrains d'entraînement, les frais de tutorat et bien sûr un petit supplément pour avoir le droit à ma présence à chaque cours. Si vous voulez que je reste à votre cours, il vous en coûtera 10 000 dragons d'or par mois. Ok. Ah, c'est pas que je veux pas les copains, hein, mais j'ai pas trop la masse critique là. Citadin, va chier ta caisse. Ok, ami viewer, je vais te laisser là. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord te montrer ce que ça donne l'immaculé. Ah putain, excellent. Niveau 19, 300 partout. 14 de force, 14 d'agilité. C'est de la merde. Équipement. Je peux lui piquer? Tunique propre. Casque propre. Lance épée courte, chaussures propres, tunique propre, je peux ou pas? Je pense pas, hein, mais bon. Non, ça ne fonctionne pas. Ok, mais c'est rigolo qu'on puisse recruter des immaculés quand même. Enfin, rigolo, je sais pas si c'est le terme, mais. Putain, ça le fait quoi. Ça le fait. Lancier vétéran des sœurs, d'accord, hallebardier de mon cul. Ok. Par contre, ils peuvent pas monter de niveau. Hein. Ouais. C'était bien pour rigoler, mais j'en prendrai pas plus que ça. Ok les copains, je vous laisse là, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux à aider les Stark, parce qu'on a besoin de monde pour aider les Stark, parce que sinon ils vont se faire défoncer par les Fernés et ça va pas le faire quoi. Des bisous, à la prochaine, ciao.